Good morgen, Aleïd, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani Dvorah Bat Esther, ainsi que l'Irfat Amram Ben Masoudi, si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechat Yavamot Periktet, Mishnah Aleph. Yesh Mutarot le Baaleyen, Vasurot le Yibmehen, Mutarot le Yibmehen, Vasurot le Baaleyen, Mutarot le Elu Veleelu, Vasurot le Elu Veleelu. 4 cases. Ve Elu Mutarot le Baaleyen, Vasurot le Yibmehen, Kohen Ediot Chenasait Almana, Vyashlo Ach Kohen Gadol. חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר, ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר, ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל, מותרות לבעליהן ואסורות לאיביהן. Bon, on a fini avec toutes les histoires des Kohanim, quand est-ce qu'il peut manger de donner à sa femme, de la Trouma, et puis après, suite à ça, on est rentré dans toutes sortes de personnes interdites de se marier avec l'homme Israël, en parlant longuement des Tumtum et Androgynos et des Saris, et voilà, des sujets assez complexes et... Maintenant, on va reprendre un cours classique de Yevamot. Un cours de... Et on a une Mishnah qui m'a enseigné que, sache qu'il y a des situations où il y avait deux frères qui étaient mariés, un qui était marié à une femme, et qui va décéder, sans enfant. Dans certaines situations, il y aura Yashmutarot le Baalehen Vasurot le Ibemehen. Il va y avoir des femmes qui avaient le droit de se marier avec leur mari. Mais maintenant qu'elle est tombée devant en Yiboum, elle n'a pas le droit de se marier avec son beau-frère ne pourra pas faire la Khalissa, ne pourra pas faire le Yiboum. Il y a des cas qu'inversement, Mutarot le Yivmehen, Veasurot le Baaleyen. Il y a des cas où au contraire, elle était interdite à son mari, mais maintenant que son mari est mort, elle a le droit de se marier avec le beau-frère, justement. Ou bien, il y a des situations, bien sûr, évidemment, Mutarot la Elou Velelou, il y a des fois où la femme qui était, elle avait le droit de se marier avec son mari décède, elle a le droit de se marier avec son beau-frère. Il y a des situations où, au contraire, elles sont interdites. Elle est interdite aussi bien à son mari que à son beau-frère, le Yavam. D'accord? On a, ça c'était le titre d'introduction. Et maintenant, on va le reprendre un après l'autre. Et la Mishnah va commencer à me détailler. Telles sont les femmes qui sont permises à leur mari, tandis qu'elles sont interdites de faire le Yiboum. Alors, Yavam, et qui devra faire nécessairement la Khalitsa. Premier cas de figure, Kohen Hediot, Shenasa et Almana, Veyashlo Ach Kohen Gadol. Il y avait deux frères qui étaient Kohanim, Reuven et Shimon. Maintenant, Reuven, c'était le Kohen Gadol. Et Shimon, c'est un Kohen Hediot. Maintenant, il faut savoir, les Kohanim, ils ont pas le droit de se marier avec les divorcés. Mais par rapport à la halakha de se marier avec la veuve, un Kohen Hediot a le droit de se marier avec une veuve. Tandis que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Pire que ça, le Kohen Gadol, il a l'obligation de se marier qu'avec une femme vierge qui n'a pas passé les 2 ans et demi, comme on a déjà étudié. C'était dans le Mishnah, non. Et alors que le Kohen Hediot, il a le droit de se marier avec une femme même qui a eu un écart, dans la mesure où elle avait un écart avec quelqu'un qui était permis, avec qui elle pouvait se marier, en théorie, donc il n'a pas envie d'invalider, alors il a le droit de se marier avec elle. Maintenant, le Kohen Gadol, il a se marier que. Et un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Maintenant, on a deux frères, Reuven et Shimon. Et Reuven, c'est deux Kohanim. Reuven, c'est un Kohen Gadol. Shimon, c'est un Kohen Hediot. Il s'est marié avec une femme qui était veuve, il avait tout à fait le droit, il n'y a aucun problème. Shimon décède sans enfant. La femme de Shimon, maintenant, cette veuve, elle se retrouve, cette veuve, pour la deuxième fois de sa vie, la pauvre, elle se retrouve devant son beau-frère, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle. Il y a un interdit de lave que Almana ou Grusha Bachalala Zona et Tel Elohikar. Il n'a pas le droit de se marier avec une Almana, le Kohen Gadol. Donc, il devra faire que la Khalitsa. Ok? On reprend ça dans les mots. Kohen Hediot, un Kohen simple. Shenasa est Almana qui s'est marié avec une femme qui est Almana. Mais Shloach Kohen Gadol. Et ce frère-là, il a un frère Kohen Gadol et donc après lui-même décède. Sa femme, là, qui était déjà veuve, tombe devant son frère ne peut pas se marier avec elle. Ensuite, deuxième situation, Khalal Shenasa Kshera, Vyashlo Ar Kasher. Nouveau cas de figure. Il y avait deux frères Kohanim, qui étaient frères de père mais pas de mère. Un premier frère, Reuven, il est né d'une liaison purement propre. Donc, Reuven est un super Kohen. Après, son père, il a fait la bêtise de se marier avec une divorcée. Or, s'il se marie avec une divorcée, eh ben, son fils qui va lui naître, c'est un halal. C'est un Kohen qui a été vidé de sa kdusha de Kehuna, il devient un halal. C'est plus grave qu'un Israël. D'accord, il devient un halal. D'accord. Maintenant, ils sont deux frères malgré tout.
sont de frères de père, donc il doit faire le hiboum entre eux. Si Reuven décède, Shimon devra prendre sa femme, par exemple. Mais si Shimon décède, qui est le halal, alors, maintenant Shimon il s'était marié avec une femme qui était kshéra, une bonne femme, de bonne famille, mais lui il était halal. Et maintenant il s'avérait que quand il est parti, quand il a eu un rapport avec elle, il a rendu cette femme halala. Et s'il a rendu sa femme halala, son frère Cohen ne pourra pas faire le hiboum avec elle parce qu'elle est halala. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Halal shenasa kshéra, on avait un frère qui était halal qui s'est marié avec une bonne femme, propre. Mais quand il s'est marié avec elle, il a rendu halala. Veyashlo ar kacher, il a un frère kacher, maintenant son frère ne pourra pas faire le hiboum avec cette femme. Autre situation encore, Israël, shenasa bat Israël, veyashlo ar mamzer. Là, c'est encore un père, un mzrob, qui a fait des bêtises, qu'il a fait quoi? Il avait d'abord une première femme, qui était mariée avec elle, tout allait très bien. Après, il a eu un écart avec la voisine. Et avec cette voisine, il a eu un mamzer, un bâtard. Maintenant, ces deux enfants-là, Reuven et Shimon, ils sont frères de père. Donc s'ils sont frères de père, ils doivent faire, en théorie, le hiboum et la khalitsa, hein, la femme de l'un avec l'autre, la femme de l'autre avec l'un. D'accord? Parce qu'ils sont frères de père. Ils héritent ensemble leur père, d'ailleurs. Même le mamzer, il hérite son vrai père naturel, même si c'est un mamzer. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça. Israël, shenasa bat Israël, veyashloach mamzer. On a Reuven, maintenant, il s'est marié avec une bat Israël, mais son frère, il est mamzer. Et maintenant, c'est Reuven qui décède. Reuven décède. Il y a une femme kshéra qui tombe devant un mamzer. Là, elle, la kshéra, n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Un mamzer, elle n'a pas le droit de se marier. Mamzer, lo yavou bikal Hashem, c'est écrit une fois dans la Torah. Lo yavou mamzer bikal Hashem. Un mamzer ne pourra pas se marier avec un pur sang d'Israël. Il peut se marier avec une guillorette, par exemple. Si Reuven était marié avec une guillorette et qu'il décède, Shimon, son frère le mamzer, il pourra se marier avec cette guillorette, il n'y a pas de problème. Mais avec une bat Israël pur sang, il n'a pas le droit de se marier parce que ça s'appelle Kehal Hashem. Ok? Et inversement aussi, Mamzer, Shinasa Mamzeret. Maintenant, le frère Mamzer, lui, pour son Shidour, ils ont travaillé dur pour trouver une autre Mamzeret. J'espère qu'ils vont travailler dur pour trouver des Mamzerim, Bezrat Hashem. Comment ça? En tout cas, Mamzer, Shinasa Mamzeret. Lui, on l'a trouvé à une Mamzeret avec qui il s'est marié avec elle. Après, il est décédé sans enfant. Son frère Reuven, il a une mitzvah de faire le hiboum à son frère, à la femme de son frère. Maintenant, elle est Mamzeret. Reuven ne peut pas se marier avec cette Mamzeret. Veyashlo ach Israël, donc je reprends la phrase, Mamzer, Shenasa Mamzeret, un Mamzer qui s'est marié avec une Mamzeret, Veyashlo ach Israël, et il a un frère qui est Israël. Toutes ces situations-là, on a découvert c'est quoi le cas de Mutarot le Baalehen, Vasurot le Ivemehen. Tu as compris c'est quoi le cas que de femmes qui sont permises à leur mari, mais qui sont interdites à leur Yavam. Parce que, donc comme ce qu'on a expliqué, chacun selon le cas, qui est le haut rang et qui est le bas rang. Il y a des fois où c'est le frère qui est. Qui ne peut pas donner sa mauvaise femme à son frère, et des fois, c'est au contraire le frère qui ne peut pas donner sa bonne femme à son mauvais frère, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.